on va voir si vous êtes cultivés, les magiciens. Marignan. 1515. Austerlitz. 1805. Gilet jaune. 2018. Ah oui, 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 oui. C'est quoi la différence entre la magie de scène et la magie rapprochée? Comme son nom l'indique, la magie de scène se pratique sur une scène, donc à bonne distance, alors que la magie rapprochée, le close-up comme on dit chez nous dans le Limousin, se pratique tout près des spectateurs, à quelques centimètres. Pas besoin de lance-pierre pour leur taper dans l'œil. Avez-vous déjà été frappé par un spectateur? Heureusement non. Bon, c'est pas passé loin. Et j'ai une spectatrice qui a un petit message pour vous. À la télé, on peut pas le frapper, là, en vrai, on peut. Comment est-ce que vous avez appris la magie? J'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos, j'ai participé à des conférences, à des masterclass, je me suis inscrit à des congrès, j'ai rencontré des magiciens. J'ai même appris des tours sur YouTube. Vous pourriez nous apprendre un tour? Non, mais sérieusement. Oui, bien sûr. Quel est votre budget? Maintenant, foutez-moi le camp, mais vite! C'était très bien! C'était très bien! Que tous mes fans se le disent, je ne ferai pas une vidéo par jour. C'est clair!